Après la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie, la Bulgarie a à son tour annoncé une interdiction des importations de céréales ukrainiennes ce mercredi afin de protéger les agriculteurs locaux. Car depuis que l'UE a suspendu les droits de douane sur tous les produits importés d'Ukraine pour permettre leur exportation, maïs, blé ou encore tournesol s'accumulent dans les pays voisins et font chuter les prix. Имаме продукция за няколко милиарда, която считаме, че ако не вземем допълнителни мерки, трудно ще реализираме на пазара и ще търпим много сериозни загуби. Tentée elle aussi d'interdire les importations de céréales ukrainiennes, la Roumanie va pour l'instant se contenter d'intensifier les contrôles des stocks en transit dans le pays. Am rugat ministrul ucrainian să folosească toate mijloacele pe care le are la dispoziție pentru ca agenții economici din Ucraina se reducă exportul de cereale și plante oleaginoase către România. Bruxelles plaide pour sa part pour une approche européenne commune et a annoncé de nouvelles aides financières pour les pays touchés. You will recall that we have already provided a support package of 56.3 million euros for the most affected farmers, and we are now preparing a second financial support package of 100 million euros. La Pologne, qui était même allée jusqu'à interdire la circulation de ses marchandises, a finalement conclu ce mardi un accord avec l'Ukraine en vue de sa reprise dans les prochains jours.